Allez, salut à tous, ici Geotto35. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay commenté sur la map Hightower, qui est une map de Charge Utile. Donc troisième stage, hein, pour ceux qui ont reconnu. C'est une de mes maps de Charge Utile préférées. Voilà, c'est, je donne mon avis là-dessus. Hein. Je la trouve assez complexe, il y a plein de petits recoins. C'est assez pratique pour toutes les classes qui doivent contourner. Et il y a un champ au milieu, donc c'est assez, si vous voulez jouer heavy ou une classe qui attaque à fond, c'est assez sympathique aussi. Donc je joue à Soldier avec le set complètement de base, le lance-roquette de base, le fusil à pompe de base et le Hamshank qui est en fait un reskin de l'appel pour ceux qui ont précommandé Don't Starve. J'utilise parce que je le trouve très marrant, mais c'est exactement les mêmes caractéristiques que l'arme de base. Cinquième play qui s'est très bien déroulé pour moi et même pour toute notre équipe, parce que je suis pas mort une seule fois et que on n'a pas été stoppé non plus une seule fois. Les rouges nous ont pas arrêté, on a réussi une fois qu'on est parti avec le wagon, ils nous ont pas arrêté. Je pense que ça venait du fait qu'ils étaient pas assez organisés. Ils n'avaient pas de médoc, il y avait 3 snipers je crois de tout ce que j'ai vu. C'est un petit peu inutile déjà sur cette map, 1 à la limite, 2 c'est largement suffisant. Donc je pense que 3 snipers le gars aurait pu changer de classe et peut-être faire quelque chose pour son équipe. Et surtout on avait un bon médoc qui soignait bien tout le monde, surtout moi. Donc c'était assez pratique, ça m'a empêché de mourir bien des fois. Vous pouvez le voir aussi, j'utilise le HUD de base. C'est pas mon intention, je préférerais utiliser mon HUD custom, mais avec la nouvelle mise à jour de Team Fortress, ils ont changé tous les emplacements de fichiers TF, et je sais pas du tout où est-ce qu'ils les ont mis. Donc ne sachant pas où sont les fichiers, bah, je peux pas aller mettre les dossiers du HUD dedans. Donc c'est assez embêtant. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant 3 semaines. 2 semaines j'étais en vacances, puis la semaine en rentrant, j'ai essayé de résoudre ce problème. J'avais eu 2-3 autres problèmes, mais celui-là c'était le plus important. En me disant que je pouvais pas, quand même pas sortir une vidéo sans, avec le de base, parce qu'il faut vraiment dire qu'il est pas très beau. Mais je m'y suis finalement résolu. Donc j'ai mon excuse, si quelqu'un pouvait m'indiquer le chemin vers les dossiers TF2, je lui en serais reconnaissant. C'est un gameplay où j'ai fait 2 airshots, entre guillemets, c'est pas vraiment des airshots à proprement parler. C'est juste la propulsion de joueurs, vous voyez, un peu comme ce soldier. Et puis un tir direct qui va avec anticipation de la trajectoire, hein. Pour moi ça c'est un airshot, même si j'ai déjà fait des plus hauts airshots en plein air. Et ça me permet d'enchaîner sur le fait que j'ai l'intention de faire une vidéo astuce, enfin un tutoriel astuce sur comment faire des airshots, parce que c'est assez, enfin j'en vois pas beaucoup qui font ça par exemple. Même en MGE c'est assez rare. Et une fois que vous maîtrisez cet outil là, c'est vraiment très sympatoche. Ça vous permet de... C'est très gratifiant déjà, parce que moi ça m'arrive de faire des MGE avec mes amis de la team lag, ça détend, hein. On est vraiment pas une team fun, mais on est vraiment une team fun, mais pas du tout compétition. Mais de temps en temps ça détend, et quand vous arrivez à mettre un airshot à votre adversaire, c'est quand même assez gratifiant. Donc je pense que je vais faire plutôt une vidéo astuce, hein, pas vraiment tutoriel. Je vais vous donner tout ce que je peux vous dire sur comment faire des airshots. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. D'ailleurs, la chaîne a atteint les 170 abonnés, merci à vous. Hein. Déjà, quand j'ai commencé la chaîne, je m'attendais même pas à atteindre les 15 abonnés. donc voilà. Bah écoutez, on va arriver quasiment à la fin de la vidéo. Voilà, encore un airshot sur le médoc. Même s'il était pas très haut et pas très difficile à anticiper, je suis quand même content de l'avoir fait. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, c'était Gauche65, salut à tous et portez-vous bien.